Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et toujours vous demander de rester très courtois dans les commentaires. Au lendemain de son passage au journal télévisé de la RTG le mercredi 3 mai 2023, marqué par des coupures de son qu'elle aurait qualifié de sabotage, la ministre de l'Information et de la Communication fait tomber les premières sanctions. Selon nos informations, Aminata Akaba a décidé de suspendre le directeur général Fana Souma de ses fonctions pour faute lourde avec effet immédiat. L'intérim est assuré par Ibrahima Kali Keita, le directeur de la télévision nationale. Aussi, le rédacteur en chef de la RTG a été suspendu. Adam Mohamed Keita a été destitué de ses fonctions pour faute lourde, a-t-on appris. Son adjoint Foudé Camara a été nommé intérimaire. Peu après l'annonce de cette décision, la maison de la radio et de la télévision vit des tensions. Journalistes et techniciens pourraient tous arrêter ce jeudi 4 mai 2023 à la RTG Koloma. Alors, à la RTG Roubinette, où se trouve le siège du département de l'information et de la communication également, les journalistes réclament la démission de la ministre Kaba. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez connectés à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, famille et connaissances. Si vous la trouvez notamment intéressante, à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.